Bonjour à toutes et à tous, la famille combattants et combattantes. Si j'ai fait cette petite vidéo, si j'ai fait ce petit direct, c'est pour m'adresser que justice soit faite pour la mort de Christelle Mirabel Lincoln. Que justice soit faite. Des Camerounais doivent se lever et dénoncer des violences qui se passent dans notre nation. Et que justice n'est pas toujours faite. Et nous restons comme ça là et nous ne dénonçons pas ce qui se passe, cette épidémie qui se passe dans notre pays qui est en train de nous tuer à petit feu. Que le Cameroun est devenu un état d'injustice. Que le Cameroun est devenu un état d'injustice. Que oui, des Camerounais tapent, tuent sur l'autre, violentent d'autres personnes et qu'on connaît des personnes. Et justice n'est jamais faite pour ces personnes-là qui sont violentées. Et vous croyez que nous allons encore rester et ne pas dénoncer. Vous-même, vous aviez vu de quelle façon Christelle Mirabel Lincoln a été violentée, a été violée et morte. Et qu'on connaît des assassins de cette fille, de cette pauvre fille. On connaît des personnes qui sont à l'auteur de l'assassinat de Christelle Mirabel. Mais on ne veut pas que justice soit faite parce que c'est toujours des membres de ce régime qui travaillent pour ce régime, qui ont assassiné cette jeune fille qui n'avait du tout rien fait, que justice n'a pas été faite, que ces violences que nous dénonçons toujours, des coups de viol que nous dénonçons toujours dans ce pays, le gouvernement illégal, illégitime, que nous disons toujours illégitime, ne prend jamais cette affaire au sérieux en se disant que oui, ils sont en train d'accomplir leur mission au Cameroun. Et nous n'allons pas laisser cette affaire tranquille. Nous n'allons pas rester tranquilles et voir encore des pareils trucs comme ça, des violences et qui appellent à la mort et nous ne les dénonçons pas. Le Camerounais qui ne dénoncera pas ce que s'est passé, la violence qui s'est passée, le viol qui s'est passé sur Mirabel, que c'est déjà devenu comme un loisir au Cameroun et que le gouvernement ne prend pas charge de ça en nous disant que oui, ils sont légitimes, qu'ils sont là pour protéger des Camerounais. Mais nous voyons chaque jour des Camerounais sont tués par d'autres Camerounais et qu'on connaît ces personnes. Mais justice n'est jamais faite pour ces personnes assassinées. Et vous croyez encore au 21e siècle quand nous, des enfants de cette nation qui voulons le bien de cette nation, nous allons voir l'injustice dans notre nation, nous allons laisser ça passer. Des Camerounais doivent se lever et dénoncer. Donc nous devions dénoncer cette injustice qui se passe dans notre pays, que toi qui ne dénonces pas, que toi qui restes tranquille, qui dis que oui, cet orage-là n'est même pas encore arrivé, sache que demain ça peut être aussi ton enfant, sache que demain ça peut être ta fille aussi qu'on viole. Sache que oui, ce que nous combattons, ce n'est pas pour nous, c'est pour nous, c'est pour l'intérêt, c'est pour vous. C'est pour vous qui vivrez au Cameroun. C'est pour cela que nous avions l'opportunité de dénoncer ce régime à l'extérieur sans avoir des soucis, sans avoir des problèmes, sans avoir peut-être des personnes qu'ils envoieront peut-être pour venir nous attaquer parce qu'ils savent que où dans ces pays que nous résidons, ce sont des pays qu'on respecte les droits de l'homme. Que toute personne a la liberté d'expression, de dénoncer quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas bon, même soit que ça soit bon. Donc nous devions dénoncer ce qui se passe actuellement à Yaoundé. Parce que le régime de Yaoundé est en train de faire un bras de fer avec nous, que le pouvoir est détenu, nous des citoyens, que la démocratie est détenue par nous, que c'est nous qui faisons la démocratie, mais ce gouvernement actuellement est en train de faire un bras de fer avec nous, ne font que nous violenter, ne fait que nous tuer, mais nous ne nous levons pas pour manifester pacifiquement que arrêtez cette violence qui se passe sur nos femmes, sur la race humaine au Cameroun, dont nous devions se lever tous pour dénoncer ce système. Parce que le régime de Yaoundé le sait très bien que oui, cette mauvaise nouvelle qui s'est passée au Cameroun, qui sont à l'auteur de cet assassinat, ils savent que oui, ça va distraire la toile pour qu'ils se maintiennent au pouvoir. Il est temps que vous, peuple camerounais, vous du Cameroun, vous vous levez, vous manifestez. Toutes ces femmes du Cameroun, vous vous levez, vous manifestez. Parce que demain, ça arrivera aussi chez vous. Demain, ça peut aussi arriver à vos enfants. Que vos enfants soient violés et violés à mort, comme vous aviez vu pour Christelle Mirabel. Qu'aujourd'hui, la levée de corse aujourd'hui, et que vous-même, vous saviez bien même que oui, le monde entier condamne cet assassinat qui se passe
au Cameroun. Mais si la personne qui ne dénonce pas, lui-même, il est complice. Donc, levons-nous, peuple camerounais. Il est temps que nous nous levons. Vous avez vu, nous de la diaspora, nous faisons de notre mieux pour que des choses puissent aller dans de très bonnes conditions au Cameroun. Mais le gouvernement de Paul Biya, le porté disparu, ne vous laisse pas l'opportunité de se lever pour dénoncer. Et vous aussi au Cameroun, vous ne vous levez pas pour soutenir, pour comprendre, écouter ce que vos frères de la diaspora dénoncent, que oui, vous n'aviez pas des opportunités de dénoncer parce que vous aviez peur au lieu de nous soutenir. Mais c'est vous encore qui nous mettez des cales dans des roues. Donc il est temps que nous nous levons pour dire non à cette injustice qui est en train, qui a déjà pris tout l'étendue nationale camerounaise, parce que Paul Biya n'a jamais eu à voulu. Paul Biya n'a jamais voulu le bien-être des peuples camerounais. C'est pour cela que nous, au 21e siècle, nous allons, nous nous sommes levés pour dire non à ces violences. Donc, levons-nous la famille, levons-nous, ne cessons pas de dénoncer toujours ce régime, ne cessons pas d'être toujours le bête. Montrons à ce gouvernement enfin aussi que nous sommes capables aussi de les combattre comme nous les combattons actuellement. N'ayez plus peur, parce que ce gouvernement, c'est la chute d'une dictature. Et quand une dictature veut toujours tomber, il faut des sacrifices pour qu'il se maintienne encore au pouvoir. Donc ne leur permettons plus encore, ne leur donnons plus encore nos frères, ne leur laissons plus l'occasion encore de détruire nos frères, nos familles pour se maintenir au pouvoir. Levons-nous enfin pour chasser ce régime. Parce que si nous ne nous levons pas pour dénoncer et chasser ce régime pacifiquement en manifestant dans toutes les rues du Cameroun, ce gouvernement se prendra toujours au-dessus de nous. Mais ils le savent bien même que oui, ce que nous dénonçons, qui est rien que pour que justice soit faite au Cameroun, eux-mêmes le savent qu'ils vont tomber. Et pour qu'ils puissent tomber, il faut que vous levez au Cameroun. Nous avions déjà actuellement demandé une manifestation qui se passera à Paris contre des violences, contre la mort de Christelle qui a été violemment violée par les membres toujours de ce régime. Et des gens croient que oui, nous allons laisser cette affaire peut-être tomber. Nous n'oublierons jamais le mal que oui, ce gouvernement a fait, est en train de faire au peuple camerounais, parce que nous avions marre de ce qui se passe au Cameroun. Nous avions marre. Voilà une innocente qui a été violemment violée par toujours des usurpateurs de ce régime, mais jusqu'à présentement, ils sont toujours en libre circulation, et que nous ne connaissons pas pourquoi ce gouvernement ne peut pas, les forces de l'ordre ne peuvent pas arrêter ces personnes en les incarcérant, en les emmenant en justice pour que justice soit faite pour tous ces viols qui se passent au Cameroun, pour toutes ces répressions qui se passent sur des Camerounais. Mais nous voyons toujours ce gouvernement est toujours là assis, parce qu'ils le savent bien même que oui, c'est une façon pour distraire la toile. Et des Camerounais le savent très bien même que oui, ce qui est actuellement en train de se passer au Cameroun, que ça peut aussi les arriver, mais ils ne veulent pas se lever pour dénoncer, pour empêcher ça là, que ça ne se répète plus au Cameroun. Mais ils sont là chez eux en disant que oui, ce n'est pas notre fille. Mirabel n'était pas notre fille. Mirabel, c'est qui pour nous? Elle est quoi dans la soupe jusqu'à nous nous levons pour manifester? Mais sans connaître que oui, la pluie là, quand il pleut sur le toit de tout le monde. Sans connaître que oui, l'orage de ce vent aussi peut aussi les arriver, peut aussi le lendemain aussi venir chez eux aussi les trouver. Mais ils ne veulent pas dénoncer en disant que oui, nous avions peur. Si vous aviez peur, c'est comme ça là que ce régime dictatorial va vous tuer, va continuer toujours à vous tuer, en sachant que vous n'allez jamais un jour vous lever. Peuple camerounais du Cameroun, levons-nous pour sauver notre nation entre les mains de ce démon, entre les mains de ces démons qui se disent qu'ils sont nos dirigeants, alors que nous savions que oui, en 2018, ils n'ont pas été élus par nous, mais ils ont pris le pouvoir par force, toujours par violence, toujours avec des répressions comme ils font toujours sur nous dans des rues, et nous restons toujours quasiment tranquilles pour dire que oui, un jour le bon Dieu viendra, un jour le Cameroun va changer. Tant que vous au Cameroun, vous ne vous levez pas pour manifester pacifiquement et que le monde entier voit votre détermination, comme nous de la diaspora, que nous y sommes toujours en train de combattre toujours ce régime pour montrer à la Cour internationale que oui, il y en a une épidémie qui se passe dans notre pays, qui est Paul Biya, qui est en train de tuer des Camerounais, qui est en train de violenter des Camerounais avec son régime et des répressions de jour en jour contre
contre la race humaine dont ils sont en train de... Ça, c'est des crimes contre l'humanité qui est en train de se passer au Cameroun et que des Camerounais ne font que voir, ceux du Cameroun voient, mais ils ne peuvent pas se lever en disant que oui, ça ne nous concerne pas. Toi qui dis que tu ne fais pas politique, toi qui dis je ne suis pas politique, sache que oui, tu feras la politique pour que ton Cameroun, pour que nous ayons une nation libre, une nation indépendante, pas une nation que nous voyons chaque jour des enfants de ce pays sont tués toujours par des personnes qui disent qu'ils sont nos dirigeants, alors que nous savions bien même que oui, ces dirigeants ne nous assurent pas la sécurité dans notre nation, ne nous assurent pas d'être aussi bien au Cameroun, mais nous laissons toujours ces répressions toujours passer, nous violenter et nous croyons que oui, un jour ils vont cesser. Ce gouvernement ne peut pas cesser. Le régime de Paul Biya actuellement ne peut pas cesser des répressions si nous ne nous levons pas. Enfin, pour leur dire que oui, nous sommes aussi déjà prêts. Nous sommes dorénavant prêts pour combattre votre système. Eux-mêmes passeront toujours à vous répressionner, toujours comme ils le font actuellement. Donc les peuples camerounais, si vous ne vous levez pas, ne croyez pas ce que Noël Cameroun est en train de faire là. Ce que moi j'ai fait, parce que j'ai fait, je sais que c'est ma nation. Nous sommes des voix de sans voix, que ça soit dans n'importe quel pays que nous voyons des violences et que nous pouvions dénoncer, nous allons dénoncer. Nous sommes des voix de sans voix, nous ne sommes pas des personnes qui chantons le nom de quelqu'un parce que nous voulons nos intérêts. Nous sommes des personnes qui dénonçons parce que nous voulons l'intérêt de tous des races. Nous voulons l'intérêt de tous des bas peuples, de toutes ces personnes-là même qu'on dit que oui, ils ne sont rien dans la sauce. Donc nous combattons pour le peuple. Donc nous sommes le peuple et nous combattons pour le peuple. Et nous sommes des voix de sans voix qui dénoncent toujours des systèmes dictatoriaux dans tout pays de l'Afrique, dans tout le monde entier que nous voyons l'injustice. Nous serions toujours là pour dénoncer comme ce que nous dénonçons actuellement au Cameroun. Quelqu'un ne peut actuellement me dire que oui, le Cameroun est un état de droit. Le Cameroun n'est plus un état de droit. Le Cameroun est déjà devenu un état de dictateurs, un état de dictature, un état de répression, un état de génocide. Et ce génocide-là provient d'où? Et vous-même, vous connaissez où provient le génocide au Cameroun. Vous-même, vous saviez que c'est ce régime qui est à l'auteur de tous ces génocides qui se passent au Cameroun, de tous ces assassinats qui se passent dans notre pays. Vous saviez bien même que oui, c'est l'État. C'est l'État, c'est ce gouvernement illégal, illégitime, qui est à l'auteur de tous nos malheurs. Il faudrait que nous nous levions pour chasser ces personnes. Parce que si nous ne les chassons pas pour mettre des personnes là qui pourront au moins se nous protéger, des personnes là qui pourront appliquer la justice au Cameroun, sachez que nous allons encore passer des décennies d'années à vivre des répressions de ce régime comme actuellement nous le vivons toujours. Donc nous ne nous laissons plus faire. Montrons au monde entier, vous du Cameroun, montrez actuellement au monde entier que vous êtes déterminé, que vous êtes contre l'injustice qui se passe au Cameroun sur vos enfants. Montrez enfin au monde entier, à vos frères de la diaspora, que oui, nous allons marcher. Nous n'attendons plus l'autorisation de quiconque pour pouvoir marcher pour notre sécurité, pour notre bien de notre nation. N'attendez plus des gens. Peut-être vous venez en aide. Levez vos peuples camerounais si vous êtes massivement dans des rues en dénonçant cet assassinat, rien que de Mirabel qui s'est passé, qui a été violé toujours par des membres de ce régime, le monde entier verra que oui, vous aviez raison. Voilà encore une occasion que nous pouvions se lever pour dénoncer enfin ce régime, pour dénoncer enfin ce régime, parce que ce que nous vivons actuellement, c'est de la merde. Ce que nous vivons actuellement, le Cameroun n'est plus un pays, le Cameroun n'est plus un État. Le Cameroun est devenu un état de dictature, est devenu un état seulement de répression qui tue son peuple parce qu'il veut se maintenir au pouvoir et que nous ne voyons pas le progrès de ce pays et que d'autres affamés politiques sont toujours sur des plateaux de télévision en acceptant toujours ce que le régime RDP6 fait sur des Camerounais et nous ne pouvions pas encore se laisser faire. Dans la nouvelle génération-ci, nous allons combattre ce régime jusqu'à leur dernier jour. Donc nous n'allons rien lâcher. Des Camerounais qui croiront que oui, nous serions distraits de dire que Paul Biya doit partir, que ce régime doit partir. Sachez que vous,
perdait le temps, nous ne serions jamais en aucun jour encore distraits de ce qui se passe au Cameroun, que nous savions que c'est un fléau qui est en train de tuer des Camerounais, même plus que la COVID-19. Parce que ce qui se passe au Cameroun, même la COVID-19 ne tue pas comme le régime de Paul Biya. Le régime de Paul Biya tue même plus que la COVID. Et vous saviez, quand une dictature veut déjà tomber, quand il trouve ce qui peut le gêner à son passage pour régner au pouvoir, il détruit, il tue tout le monde. Donc nous devions se lever pour enfin dénoncer ce régime, pour que justice soit faite dans ce pays. Si nous n'avions pas une bonne justice, c'est comme ça là que vous verrez toujours des enfants innocents. Les enfants innocents mourront toujours et nous n'aurions pas des forces pour chasser ce régime, pour dénoncer ce régime. Donc il est temps que nous montrons au peuple, à tous les peuples du monde, que oui, voilà ce qui se passe dans notre pays. Nous ne voulons plus ce président, nous ne voulons plus ce gouvernement. Nous avions marre de ces répressions, de ces génocides qu'ils ont instaurés au Cameroun depuis 1982 et que jusqu'à présentement, des Camerounais ne font que mourir. Nous ne voyons pas le progrès de notre nation. Nous ne voyons pas l'intérêt des Camerounais. Nous ne voyons pas la sécurité des Camerounais qui vivent au Cameroun. Mais nous voyons seulement l'injustice que Paul Biya a instaurée au Cameroun qui est en train de nous tuer. Et vous croyez qu'au 21e siècle, que nous, moi, Noé Cameroun, quand je verrai ça, je ne dénoncerai pas ce système. Je dénoncerai toujours ce système jusqu'à leur dernier jour, comme moi j'ai dit. Je dénoncerai toujours ce système jusqu'à leur dernier jour. Donc vous deviez suivre vos frères qui dénoncent ce régime et partager les directs pour que ça puisse arriver. Ou d'autres personnes verront l'État, verront les dirigeants camerounais, comment ils sont en train d'assassiner leur peuple et qui se disent que oui, ils sont légitimes, qui se disent que oui, ils respectent les droits de l'homme alors qu'ils ne respectent du tout rien. Dans la famille, en soirée, on est ensemble, que justice soit faite pour Mirabel, pour Christelle Mirabel.